Des sourires, des regards, des instants volés. Pendant 30 ans, l'objectif d'Éric Lefeuvre a saisi de multiples facettes de la vie de Jacques Chirac, maire de Paris puis président de la République. De ses voyages en Afrique ou en Asie, le photographe retient 60 clichés et partout le visage d'un humaniste soucieux des autres et de leur culture. Moi, ce que je veux, c'est vraiment une prise de conscience sur le discours qu'il a eu, sur vraiment sur les autres, et c'est ça qui est important. Et si on peut, à un moment donné, faire en sorte que les images soient en adéquation avec ça, c'est ça qui sera intéressant. Est-ce que ça sera ça? Est-ce que les gens vont ressentir ça? Moi, je suis très, très en attente de savoir ce que, d'ailleurs, les gens vont ressentir. Pour l'un des premiers visiteurs, en tout cas, ancien ministre de Jacques Chirac, cette exposition prend une dimension particulière 2 mois après la mort de l'ancien chef d'État. Jacques Chirac, c'était un homme de paix. C'était un visionnaire et un personnage humain. Et donc, je trouve que dans chacune des photos qui sont présentées, on voit le citoyen du monde à la rencontre des chefs d'État faisant son métier. Et puis aussi, on voit les poignées de main, on voit son regard fraternel. L'exposition « Un président au-delà du cliché » est à découvrir jusqu'au 1er mars à la chapelle du Campo Santo de Perpignan.